Salut à tous, je vous avais parlé d'un petit projet hors gaming, rien à voir, pas dur à voir, hein. Il y a une salle derrière moi. Il y a Bruno, mon coach. Donc on va commencer, on va faire, pour vous l'expliquer assez simplement, on va pas faire que faire un avant-après. Le but c'est de faire une remise en forme physique de A à Z, tout ça pour enchaîner sur une découverte de plusieurs sports. On ira faire un peu de l'escalade, la boxe, du surf, vraiment tout et n'importe quoi, avec un objectif derrière, juste pas découvrir, mais on invitera quelqu'un avec nous pour galérer. On fera par exemple de la boxe, peut-être essayer de faire un match amateur derrière, escalade, peut-être partir en montagne, des trucs du genre. Enfin, on verra un peu, on va améliorer tout ça, et on va devoir commencer quoi. Du coup aujourd'hui, c'est sa première séance, on va faire une initiation à la musculation. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de sport, en plus on va y aller calmement, j'ai pas envie de le dégoûter. On va faire un full body pour commencer, donc on va essayer de travailler tout le corps. Ça va être cool, on y va. Vas-y, c'est parti. Essayer de travailler aussi ton amplitude cheville. Je vais voir tout de suite aujourd'hui là comment tu te sens au niveau de ton corps. Ici, tu vas prendre les deux extrémités et tu vas faire des rotations ici vers l'arrière. Ouais. Je suis pas flex du tout en plus. Tu vas voir, tu vas emmener le bâton vers l'arrière là et t'inverse. J'ai l'impression d'être maître chiffon. La coiffe des rotateurs. Qu'est-ce que la coiffe des rotateurs? Ton muscle là sur les épaules, ici, tu vas prendre l'élastique. Ici c'est plus faible la résistance, sinon il y a celui-là, mais je pense que ça sera trop lourd. Tu vas le prendre à l'extrémité, coller ton coude à ton corps, ok, et faire. Ah, parce que c'est l'échauffement. Je sens que ça chauffe bien. Mon muscle il est en mode waouh, c'est de retour, la sortie, ouais. L'échauffement, le but en gros c'est activer les muscles qui vont être importants lors de la séance pour éviter les blessures. On est là pas pour se blesser. On va faire des internes maintenant. Donc là, reste sur ce sens là, prends ton bras droit et là, du coup tu vas chercher l'intérieur. Parfait. La séance, on va démarrer par, on va faire du full body, on va démarrer par le bas du corps. J'aime bien démarrer par le bas du corps, c'est moi, c'est ce qui me bouffe le plus d'énergie. Faire du squat, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un squat? Fais-moi pour toi ce qui est un vrai squat. C'est un vrai squat. Ouais. Okay. Un vrai squat. Là pour toi c'est un vrai squat? Ouais. Non, non, ouais. C'est pas un vrai squat. Un squat, là t'as eu plusieurs erreurs ici que tu as fait. En gros, tu vas amener tes genoux vers l'avant. Quand tu amènes tes genoux vers l'avant, forcément, tes chevilles, elles n'ont pas la flexibilité pour être trop vers l'avant. Donc forcément, tes talons montent. À partir du moment où tes talons comptent, c'est plus un squat. Fesses en arrière, flexion de genoux, pied à plat, tu es bien ancré au sol sur les talons. Tu descends en fonction de ta souplesse. Soit tu descends ici, si tu arrives à descendre plus, c'est mieux évidemment pour avoir une amplitude complète. Et tu remontes sur les talons, en poussant sur les talons. Cool. Ok, on va se faire un exercice ici pour t'échauffer. Un exercice un petit peu de souplesse. Ok. Tu viens te mettre en squat le plus bas possible. Et là, tu vas faire ton squat. Et tu pousses. La barre, c'est 20 kg. C'est une barre olympique. 20 kg, c'est déjà beaucoup. Ok. En fonction de ce que tu vas me faire, tu vas essayer de me faire 4 séries de 12 répétitions. Ok. Là t'es parti pour 12 squats. Ok. Je suis derrière toi. Si t'as un problème, tu me dis. De toute façon, je le verrai. Regarde devant toi. Tu es parfait. Et là, c'est parti pour mon squat. Là, ça chauffe. Ouais. Aujourd'hui, on va rester sur ça. Ok. Là, c'est ta première, il t'en reste 3. Ouais. On recule, on recule un peu le pied. Deux. Fesses en arrière. Voilà. Une. Ok. Deux. Nickel. Voilà. Bon. On va mettre un peu de charge.
c'est 5. Je sais pas, le 10 il fait deux fois moins de taille. Une, nickel. Là, franchement, cette série était parfaite. On va augmenter le poids. Plus qu'il est plus petit, mais il est plus lourd. Non, t'as été cool là. Si je descends plus, je reste avec la barre. J'ai des barres de fer là, à cause de cuisses. Développé couché. 20 kilos. 20 kilos là-bas. Développé couché, t'as 3 points d'appui. Ok. Tête sur le banc. Les omoplates sur le banc et les pieds au sol. On met les yeux sous la croix. Ici, tu prends, tu vois, tu as des espèces de petits cercles là, bien placés très loin. Omoplate bien collée sur le banc, la tête bien collée, les pieds bien ancrés au sol, tu déraques. Okay. Ici, tu viens descendre la barre au niveau des tétons et tu pousses. Tu descends et tu pousses. J'ai l'impression que tu soulèves un 40 grammes. Moi, je vais le mettre derrière toi. Ok, je vais ramener ici. Ça va pour l'instant? Facile. Où est-ce que tu es capable d'aller? Tu m'as dit combien? Moi, c'était 60. Oui, j'ai réussi à connecter, après j'ai fait aussi. Après t'as lâché? Après mon cerveau il a fait muscle le bras. Donc, tu prends la barre, largeur d'épaule, ok? En gros là, sur. Tu viens te pencher en avant, épaule basse. Et tirer la colombe. La colombe, ok? Ici. On va faire. Qu'est-ce que tu sens là, je travaille ici? Ouais. Allez, tu m'en fais tous. Essaye de tirer avec tes coudes vers l'arrière. Tu ressors ta poitrine en fin de mouvement. Tu serres les omoplates. Ah, mes bras. Tu viens de les poignets ici sont à l'horizontale. Prends tes mains. Pareil. Deux. Bien plaqué. Tu montes aussi. Okay. La tête en arrière. Ici. Tu montes verticalement. Tu descends tranquillement. T'inspires. Tu pousses. T'inspires. Comme tu l'as, regarde. Les épées et les coudes sont pas vers l'arrière. Ils sont légèrement vers l'avant. Ok. Faut pas que ce soit aligné avec tes épaules. Ici. Faut que ce soit légèrement vers l'avant. Faut pas trop matiser tes épaules. Ok. Je les sens tout le temps. Le biceps? Ouais. Là, tu sens pas là. Ça va, il est pas?
dur, je crois que j'ai des biceps qui sont... Les biceps, on les fera après. Et là, tu vas venir sur les biceps. Bah, je les ai déjà trop mes biceps. Ah, enfin, putain. J'espère que t'as pas grand chose à faire. Là, il sera bien. Ouais, mais ça va, je suis comme ça. Bah, justement, faut être pas trop comme ça. Parce qu'à partir d'un moment, tu vas dire ah, merde. Ah, ça merde. Oh, il me met un smiley. Il m'a mis un smiley content. Il m'a dit trop rapide. Rigole pas. Moi j'ai l'impression que ça se passe pas bien là. Ah ça se passe mal là. Mon muscle est comme ça. Il tremble déjà. Ouais. Je descends, ouais. Ah. Là je descends. Merci. C'est léger, je te dis. C'est léger. T'as de la chance, on va finir. Sur les biceps. On va rester ici sur les biceps. J'ai l'impression que tous les bras, genre, c'est des barres de fer. On dirait que j'ai des bras de fou. Ah, des bras de fou. Ah, oui. Ah, non, biceps. Même principe. Ici. On colle les coudes. Okay. On vient ici devant. Et on monte. Si c'est trop lourd, on charge. Mais le poids il m'a emporté. L'objectif c'est de garder le maximum de force pour les gros muscles avec dos. C'est comme par exemple tu veux faire les biceps et après tu vas faire le dos. Tu auras moins de force, moins d'efficacité musculaire. Je fais plus rien dans les bras. Regarde, c'est gonflé. Oh. On m'a dit le test c'est de faire des pompes. Oh là, on fait même pas une. Mes bras sont morts. Ça se tire de fou. Allez, Mika. Je reviens. Le bras gauche il me bute. Oh, mon bras gauche à chaque fois il disait non. Rigole pas.
peut poser. Non, on peut poser, pas s'écraser. Ça va? C'est pas maintenant ou non? Allez, Mika, c'est 30 secondes, c'est rien. Ok. Ça va? Ah bah. On se relève? Confiance. Fini? Fini. Je veux même pas, genre, m'appuyer sur mes bras. J'ai l'impression d'avoir des muscles, mais sans muscles. Bon voilà, fin de séance. Moi, dépasse pas ici. Je suis out. Ça fait du bien. Genre, ça fait un bien de fou. On va essayer de vous faire une vidéo toutes les semaines, toutes les deux semaines, pour que vous ayez un suivi un peu, voir l'évolution. Nono, il va avoir le temps de vous expliquer les exercices qu'on va faire. Il va vous expliquer, comme ça vous verrez aussi comment faire bien les exercices et tout pour ceux qui ont préparé se mettre à la muscu. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos s'il y en a qui sont motivés pendant que moi je fais le programme. Vous motive, envoyez-moi des petites photos avant, après, ou quand vous êtes à la salle, ça me fera plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.